Bienvenue, merci de votre fidélité. Vous tombez à pic, les joueurs sont dans le tunnel, alors laissez-nous vous présenter cette rencontre. Ici Grégoire Margoton avec Darren Tulette qui nous donnera son regard si particulier sur ce match. Oui, salut, salut Grégoire, on attend beaucoup de ce match, espérons qu'il tienne toutes ses promesses. Et voilà, sous nos yeux, les compositions d'équipe. Buffon dans les buts. Bonucci, Chiellini, Barzagli, Pjanic, Khedira, Marchisio, Daniel Alves, Alexandro, Higuain, Paolo Dybala. On est parti pour 90 minutes. Pjanic. Alexandro, Marchisio. C'est bien fait ça. Oh, voici Marchisio. Il a tenté, bien joué. Jolie passe lobée. Ce ballon bien dosé. Chiellini qui est récompensé de son pressing. Alexandro. Marchisio. Oh, Higuain! C'est bien, conserver sa lucidité maintenant. C'est parfait, magnifique. Énorme occasion! Un grand dégagement le plus loin possible. Khedira. Oh, voici Dybala. Lulic qui récupère ce ballon. Oui, là il y avait clairement faute. Il essaye un long ballon. Jolie accélération sur l'aile droite. C'est joué long, attention. Grosse occasion. Et hey, il y avait de l'idée. Daniel Alves. Pjanic. Pjanic qui centre. Le timing était bon, le placement était bon, tout était bon sauf le dernier geste. Ah, il l'a bien prise, mais peut-être qu'il a trop forcé sa tête. Felipe Anderson. Paolo. Felipe Anderson. Il est à distance de tir. Bon, voici Felipe Anderson. Bonne frappe, mais directement sur le gardien. Felipe Anderson adore ce genre de position pour tirer. Alors dès qu'une occasion se présente, il pilonne. Et c'est bien normal quand on a son talent. C'est au fond du filet. Ça y est, ce match est vraiment lancé. Il joue bien le coup là, ça prouve une nouvelle fois qu'une passe millimétrée peut transpercer n'importe quelle défense. On y est, le compteur est débloqué. Ils ont le match en main, mais attention à bien rester concentré. Bilia. Khedira qui cherche à construire. Le ballon est repoussé. Chiellini. Et c'est la pause ici. Bien sûr, ça fait toujours plaisir de rentrer au vestiaire en menant au score. La question est de savoir s'ils auront encore le sourire à la fin du match. 1-0 au tableau d'affichage. Et encore 45 minutes à jouer. L'arbitre siffle le coup d'envoi de la seconde période. C'est vrai, mais tout peut aller si vite. Ils devraient continuer à pratiquer le jeu. Ça leur a bien réussi jusqu'ici. Le bon dribble.
Le long dégagement du gardien. Oh, il y avait danger, mais il a bien jailli. Il tente de la jouer dans l'espace. Ça peut partir en contre. Il remporte son duel. La Lazio qui semble contrôler l'avancée adverse plutôt que de chercher à récupérer le ballon plus haut. Vous avez raison, Grégoire. J'ai même l'impression qu'il se méfie énormément des courses dans le dos. Une passe en profondeur. Et ça fait but ! Ils creusent l'écart. Ils ont maintenant 2 buts d'avance. La défense l'a un peu oublié. Manque de concentration. La passe était millimétrée. Elle lui arrive dans les pieds. Il termine l'action comme il sait le faire. C'est génial. Ça bouge sur les bancs de touche, on devrait assister bientôt à un changement. Et voilà, ça fait maintenant 2-0. 1-0, on n'est pas à l'abri, mais là, ils ont fait le break et ils peuvent gérer. Le gardien loin devant. Le long dégagement du gardien. Marquisio. Il adore aller au duel. Les défenseurs adverses sont prévenus. S'il le trouve. Filip Djordjevic. Dans le dos de la défense. Ah, c'est dommage. C'était un contre bien mené, mais ça n'a pas suffi. Le ballon sur l'autre aile. Il essaye de faire la différence côté gauche. Bien joué ça. La défense s'en sort là. Il y va. Oh, quelle parade! Ah, de l'activité sur les bancs de touche, changement peut-être. Le premier changement n'a pas franchement été décisif, alors là, l'entraîneur abat sa deuxième carte. Oh, l'inspiration! Et la barre qui tremble, il s'en sort bien. Oh, très bon ballon! Le bon jaillissement. Ils s'en sortent. Le ballon s'en touche. C'est le dernier changement, ultime moment de coaching pour l'entraîneur. Et c'est pas surprenant, il avait l'air de tirer la langue. Un peu de sang frais, ça va le faire du bien. Khedira qui écarte le jeu. C'est bien fait. C'est fini, le coup de sifflet final qui met un terme à cette rencontre. Et il remporte donc cette victoire et elle est méritée. C'était un spectacle exceptionnel. Quand le football est joué à ce niveau-là, c'est vraiment un pur régal. Eh bien, tout simplement, on gagne, on prend pas de but. Tout le monde est heureux, non? C'est déjà fini? Oh, c'est passé trop vite avec la qualité de vos analyses d'arène, comme d'habitude. À bientôt.